C'est ce qualificatif que j'ai d'ailleurs moi-même employé, mais parce que sur l'échiquier politique, c'est celui qu'on emploie, mais qui a été dévoyé à tort d'extrême droite pour disqualifier finalement l'adversaire. Puisqu'aujourd'hui, on sait bien quand on emploie le terme d'extrême droite, c'est pour avoir des connotations de nazisme et de fascisme. Alors le fascisme. Bon, alors le fascisme, puisque encore une fois, les mots ont un sens. Le fascisme a été défini par son inventeur, qui s'appelait Mussolini, et qui était tout par l'État, tout pour l'État, rien en dehors de l'État. Ben c'est Mélenchon, ça. C'est pas moi. Il n'y a pas de plus fasciste dans le monde aujourd'hui que Mélenchon. C'est extraordinaire, il applique le programme de Mussolini.